Salut les amis, aujourd'hui je vais faire sauce claire, sauce à tchéqué. Donc pour faire ma sauce claire à tchéqué, donc je vais vous présenter ma charron frais, des écrevisses, crabes, escargots, tomates, aubergines, piments, tablettes, agrumes, api, cumagé tablette et sel. Voilà, donc on va commencer. Pour commencer, je vais renverser mes écrevisses et mes crabes. Voilà, j'ai renversé mes écrevisses et mes crabes. Donc ensuite je vais rajouter mon macharon frais. Voilà. Je vais rajouter le macharon frais. Je vais rajouter mes escargots. Ensuite, je vais rajouter mon piment. Voilà. Et les oignons que j'ai déjà découpés. Je vais rajouter mon tablet, mon agrumes, mes tomates, mes aubergines. Je vais juste mettre un peu d'huile rouge. Voilà. Un peu d'huile rouge. Ok. Donc je vais rajouter juste un peu de sel. Un peu de sel. Et je vais mettre juste un peu d'eau. Juste un peu d'eau. Voilà, pour que mes légumes puissent cuire avant de craser pour rajouter dans ma sauce. Donc on sera après pour la finale. Ok les amis, voici ma sauce qui est là. Mes légumes sont prêts, donc je vais retirer mes légumes pour écraser avant de mettre dans la sauce. Les amis, donc je vais écraser mes légumes. Donc, les amis, là, je vais renverser. Ensuite je vais écraser mon api. Les amis, voici ma sauce à tchéqué que je vous ai présentée. Voilà, donc j'ai écrasé mes tomates, mes aubergines, mon oignon, mon acqui. J'ai tout écrasé, j'ai mis ça dedans. Donc pour réaliser les mêmes choses. Donc les amis, si vous avez aimé ma sauce à tchéqué, réaliser les mêmes choses, vous pouvez manger, accompagner ça avec de la tchéqué teintée ou la tchéqué blanche. Et partager à tous les réseaux, partager, aimer et donner des commentaires. Merci.